m'appelle Louis Boursier, je suis graveur et j'ai fait l'école estienne il y a une vingtaine d'années avant de pratiquer de l'estampe dans le domaine plutôt artistique. Donc travailler avec des éditeurs, des artistes et puis ma propre production. Et la pratique de la gravure au quotidien, puisque c'est un petit milieu, a fait que nous sommes recroisés avec Gérard Descamps, qui était mon professeur de l'école estienne. Et nommé maître d'art en 2006, m'a proposé de devenir son élève dans le cadre de ce dispositif pour pratiquer la gravure héraldique. La gravure héraldique, c'est deux choses. Il y a le savoir-faire, qui est de la gravure en modelé à très petite dimension sur des métaux précieux. Et il y a l'application qui est là à l'atelier à 90%, la chevalière armoriée. Nos supports sont essentiellement des bagues, donc ça provient de chez des bijoutiers. Et on a une surface vierge, le plateau de la bague, qui est prévu par le fabricant, par le bijoutier, pour recevoir une gravure. Donc un plateau qui peut varier d'un centimètre carré à un demi centimètre carré. On va commencer par prendre des repères sur ce champ vierge et on va poser le dessin. Donc le dessin, c'est les armoiries qu'on nous a demandé de graver. Et nous partons pour cela d'un blasonnement, c'est-à-dire une description littéraire de l'image à graver. Et donc c'est là qu'est la partie artistique du travail, évidemment, c'est de réinterpréter ce blasonnement et de le transformer en image. Donc ensuite, une fois que le dessin est posé sur le plateau, on va avec des outils de coupe variés, des burins, des onglettes, des échoppes, on va commencer à creuser, puisque l'art de la gravure héraldique, c'est de faire de la gravure en modelé et donc de suggérer les volumes. À cette échelle-là, bien entendu, il y a un vrai travail de synthèse et de simplification des formes pour que ce soit lisible à l'œil nu. Donc, commence ce travail de gravure. On va enlever de la matière, on va traiter les creux pour donner du détail, des textures, des matériaux. Et puis, comme on est quand même soumis au code héraldique qui est très précis, on va pouvoir, par le biais de la ciselure, de différents outils, donner les couleurs. Tout au long de la gravure, on a des moyens simples de vérifier l'avancement du travail, qui est la prise d'empreinte avec de la cire. Et donc ça nous permet de vérifier en positif, puisqu'on grave non seulement en creux, mais en plus à l'envers. Ça nous permet de vérifier en positif l'avancement du travail et la qualité de la gravure. Je suis professeur à l'école estienne en gravure, mais où l'on pratique plutôt de la gravure d'estampe. Donc avec comme finalité l'impression sur papier. Donc ça donne quand même une bonne approche de la transmission, bien sûr. Et quant à la transmission de la gravure héraldique, ben ce sera pour plus tard. Le grand-père de Gérard Descamps était déjà graveur. Il a fait partie des premières promotions de l'école estienne, donc il y a une centaine d'années maintenant. Et Gérard, aujourd'hui, a un vrai patrimoine dans son atelier, qui est un véritable outil pour le niveau d'exigence dont on a besoin dans cet atelier. Et ce patrimoine est constitué d'une très belle bibliothèque avec des livres allant du XVIe siècle au XIXe, au XXe siècle, et tous étant des traités d'héraldique, avec une iconographie extrêmement riche qui nous sert au quotidien. Et aussi ce que vous voyez derrière moi, des boîtes là, qui enferment des poinçons qui permettent de parfois multiplier des meubles, donc les meubles étant les figures qu'on leur présente sur le métal, à l'identique pour des soucis de qualité de dessin. Et ces poinçons sont issus de collections du fin 18e, 19e siècle.